Bonjour Pierre, je me nomme Bastet, telle la déesse en Égypte antique, la déesse du chat, la maîtresse du foyer, des enfants, de la joie. Si j'ai voulu te parler, c'est parce que je sais ce que tu endures. J'aurais tellement souhaité en parler en privé avec toi. Écoute, je peux t'aider à te sentir mieux, te conseiller une bonne méditation très efficace pour gérer au mieux ton état de manque affectif et de déni des événements passés. Ce n'est pas la fin, on peut s'en sortir. Mais il faut que tu reprennes goût à la vie avant, que tu aies envie de te battre, car au bout de ce chemin, t'attend une belle histoire d'amour. Et oui, on aime plus d'une fois dans la vie. Je sais, pour l'instant, tu n'as pas envie d'entendre parler d'une autre personne, mais tu sais comme moi que la vie est faite de surprises. Des épreuves comme des choses magnifiques. C'est la loi de l'équilibre. C'est obligatoire. Car c'est en nous, le bien et le mal fait partie de nous. Il faut que tu sois équilibré. Il faut équilibrer tes énergies. Car ainsi on gère mieux les épreuves. Il faut que tu saches aussi que l'esprit agit sur la matière. Ce que tu as dans ton subconscient est puissant et peut maîtriser les événements et les éléments et surtout ton mental. Lâche prise. Ce serait super sympa si tu voulais bien que l'on en parle un peu tous les deux. Oui, j'ai besoin de ta voix qui est vecteur d'énergie et je pourrais te renvoyer de bonnes ondes afin que tu arrives à mieux maîtriser ta vie en ce moment. Si tu as besoin de moi, je suis là. Dis-le à ta maman. Et j'arriverai. Car je peux réellement t'aider. Mais si seulement toi, tu le désires. Je te souhaite bon courage, Pierre, et j'espère à très bientôt.